Et bonjour la famille, soyez le bienvenu sur ma chaîne. Moi c'est Evie Mawete. Comment faire de belles miniatures YouTube? C'est la question à laquelle je tenterai d'y répondre tout au long de cette vidéo. Vous me découvrez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et surtout activer la cloche pour ne rien rater de prochaines vidéos. Restez connectés tout au long de cette vidéo. À la fin, vous serez en mesure de vous faire une miniature YouTube ainsi que un logo. Trêve de discussion, passons à mon téléphone. Je démontre tout pendant toute la vidéo. Soyez connectés, lâchez plein de likes ainsi que de commentaires. Vos suggestions, j'en ai besoin pour évoluer. On se retrouve sur le téléphone. Bang bang. Placer le raccourci, on va sur Apple, on tape Piscar, voilà comme ça apparaît, voilà très rapidement. D'ailleurs il y a la version payante ainsi que la version gratuite. Je vous suggère la version gratuite, comme je l'ai, je ne veux pas encore la télécharger. Voilà, c'est lancé, nous attendons pour atterrir sur la page d'accueil. Voilà, ceux qui sont sur Android, vous pouvez aller sur Play Store et télécharger l'application. Voilà la page d'accueil. Il y a déjà certains modèles, exemples, qui peuvent vous aider à vous faire une idée de ce que vous voulez. Nous allons nous intéresser aux miniatures, d'où on clique le plus qui est juste en bas. Alors là, c'est un peu long, on va attendre. Voilà, c'est lancé. Prenons le rendu de ce qui a été déjà fait précédemment. Pour que vous voyez, voilà une pub, nous allons l'enlever. Fait retour. Voilà, on prend la photo que l'on va devoir travailler. Voilà, c'est fait. Nous faisons défiler tout juste en bas et chercher dessiner. Dessiner, voilà. C'est lancé. Nous allons à droite juste en bas. Prendre le calque, le deuxième calque, la photo, on prend la gomme. Généralement le pinceau c'est à 86, moi je l'ai toujours mis. Voilà, on dézoome et on commence à effacer. On efface, j'attaque premièrement le bordure, soit le côté de la photo, à grand coup de pinceau. Voilà, c'est parti. Voilà, on efface, on efface. Si on commet une erreur, il y a une flèche juste au-dessus, on peut faire retour. Voilà, comme ça a été le cas, on continue. Voilà, effacer, on efface minutieusement. Zoom, on zoom juste en bas et on continue à effacer minutieusement. Voilà, on dézoome, on continue à effacer. Voilà, on va réduire un tout petit peu le pinceau, c'est fait, et on continue d'effacer. Voilà, prenez votre temps en tout cas de mieux faire ce travail. Un travail précipitamment, un travail fait précipitamment, n'a jamais été un très bon. Alors prenez votre temps de faire un bon travail.
ceux qui se poseront la question de savoir c'est quoi une miniature, je tenterai d'y répondre tout en postant le résultat carrément à la fin de la vidéo. Voilà, on continue, on réduit le pinceau et on poursuit. Voilà, on efface, on continue à effacer. Voilà, ne soyez pas aussi minutieux que ça, parfait, parce que de 1, la miniature elle est déjà petite, alors ne soyez pas aussi très sûr les exactitudes en fait de la gomme. Faites ce que vous pouvez et au montage tout sera bon. Voilà, on continue d'effacer. On efface. Voilà. On continue d'effacer. Si vous faites une erreur, vous effacez de trop, il y a une flèche qui est juste en haut. Appuyez dessus. Ça ramène l'état initial. Nous allons bien zoomer et continuer. Voilà, c'est fait. On continue à effacer, mieux effacer. Voilà. On continue, on efface. Voilà. Très bien effacé. N'hésitez surtout pas à m'écrire en commentaire si vous arrivez à le faire et laissez plein de pouces bleus, surtout vos suggestions, ça m'aidera beaucoup surtout à avancer. Et si vous avez des questions pour certains astuces qui peuvent vous rendre la vie difficile et facile en même temps, puisqu'il s'agit de vidéos quand même, quand ça ne passe pas, ça rend un tout petit peu malade. Voilà, écrivez-moi et je ferai de mon mieux en tout cas pour faire de vidéos qui pourra vous aider. Voilà, on continue. On efface, on continue. Voilà, il ne reste plus qu'une petite partie juste en bas. On continue, on supprime, on efface. Voilà, on efface jusqu'en bas minutieusement. Voilà, à grand coup de pinceau, on efface. Voilà, on dézoome pour voir le résultat. Bon, on zoome. Voilà, on réduit le pinceau et on continue à effacer minutieusement. Effacer. Voilà, moi je le fais un tout petit peu rapidement, vous aurez le temps de le faire tranquillement et avoir le résultat escompté. Donc voilà, un tout petit peu encore. Oui. Voilà, on dézoome. Voilà le résultat. Si on a besoin de contourner, il y a une palette de couleurs. Celle que vous pouvez choisir, moi j'ai choisi d'abord le noir et puis voilà juste à côté pour que vous voyez, à grand coup de pinceau je efface et je vais essayer encore avec le blanc. Voilà, vous pouvez détourer même la vidéo à partir d'ici, ça ne dépend que de vous. Donc voilà le blanc et je prends la gomme.
et j'efface. Voilà. Voilà le résultat final. On va enregistrer. Et tant que ça enregistre, voilà, nous allons passer, revenir au début pour voir ce que ça donne. Voilà. On sélectionne, voilà le rendu de ce que nous avons fait. Ce n'est pas joli joli, mais bon, c'est quand même quelque chose. Nous prenons la photo. Voilà ce qui a été. Donc voilà. Et la famille, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez plein de pouces bleus et surtout partagez la vidéo. Vous qui me découvrez aujourd'hui, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir plein de vidéos tout prochainement. Et sur cette note, je vous dis ciao, ciao, ciao la famille.